En couture. On ne peut pas faire de la carte 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 de la comptait beaucoup de prisonniers. Que se passait-il? Est-ce que Dutch décidait, prenait des mesures pour que la prison ne soit jamais pleine et puisse continuer à accueillir de nouveaux arrivants? Lorsque des prisonniers devaient être exécutés, est-ce que vous étiez chargé d'établir des listes ces personnes qui devaient sortir pour être exécutées, écrasées, comment vous allez dire? D'accord, de qui émanaient ces annotations sur les listes qui permettaient de savoir quelles personnes devaient sortir des 21? Chamna da cha, et qu'est-ce qu'il indiquait comme annotation? Qu'est-ce qu'il écrivait? Est-ce que c'était des mots précis qu'il utilisait, des signes? Comment saviez-vous que des gens devaient sortir ou être exécutés? Donc il écrivait Kam ou Kam Tek. Il y a un passage de votre procès verbal d'audition E3-7643 que je voudrais lire. C'est en français la page 01-2-6-6-3-5. En anglais, c'est à la page 9. En khmer, c'est à la page 9 également. On vous pose la question suivante. Vous receviez les annotations de Dutch, mais que disait-il en général dans ses annotations? Vous avez répondu. Dutch écrivait dans ses annotations X, trois fois. Il mettait X, EX, trois fois quand le prisonnier devait être exécuté. EX signifiait exécuté. Quand
D'accord, je crois que c'est une question de traduction qui n'a pas été très claire dans ce document-là. À propos justement de ces personnes dont Dutch disait qu'elles devaient être exécutées, est-ce qu'il y a eu, à certaines périodes, de très grands nombres de prisonniers qui sont sortis du S21 pour être exécutés? Est-ce que vous vous souvenez si Dutch a pris la décision lors de certains jours de faire exécuter des centaines de personnes? Mais alors j'ai une liste très longue que je voudrais soumettre aux témoins, c'est la liste E3-8463. Est-ce que je peux remettre cette liste aux témoins? C'est une liste, monsieur le témoin, qui a été établie, on peut le voir à la toute dernière page, qui a été établie le 29 mai 1978. Le titre qui figure à la deuxième page est le suivant: liste de prisonniers écrasés le 27 mai 1978. En tout, c'est une liste qui comporte 582 noms, dont il est donc dit qu'ils ont été écrasés le 27 mai 1978. Parmi ces gens, il y a environ 400 personnes de la zone Est, notamment, si on prend les numéros 1 jusqu'à 329, ce ne sont que des gens venant de la zone Est. Il y a également 25 personnes avec des noms vietnamiens qui se retrouvent au numéro 557 à 581. Alors, c'est une très longue liste. Est-ce que c'est une liste que vous reconnaissez? Est-ce que c'est une liste qu'on vous aurait ordonné d'écrire? Je m'en réfère au titre qui s'appelle donc liste de prisonniers écrasés le 27 mai 1978. Est-ce que vous vous souvenez d'épisodes comme celui-là où des centaines de personnes ont quitté S21
Et que vous avez dû procéder aux vérifications concernant toutes ces personnes en un seul jour. Est-ce que cela vous rappelle un événement ou non? Alors là, je pense qu'il y a un problème de traduction parce que vous nous dites des gens amenés à des périodes différentes. Effectivement, les dates d'entrée sur cette liste montrent que ces personnes sont venues à des dates différentes. Beaucoup en avril et en mai 78, d'autres à des dates plus anciennes. Par contre, le titre, alors sur la page de garde, il est effectivement dit liste de prisonniers sortie en mai 1978. Mais sur la deuxième page, le titre est liste de prisonniers écrasés le 27 mai 1978. Je remarque pour être tout à fait honnête qu'il y a dans cette liste, à partir du numéro 526. Always rise before there is a question. Que à partir du numéro 526, il y a des gens qui sont entrés à S21 le 28 mai 1978. Et qu'à la toute dernière page, après le numéro 582, on dit que la liste a été faite le 29 mai 1978. I do apologize, Mr. President, but I the parties in the chamber to just have a look at the version of the Que cette traduction ne soit pas tout à fait fidèle alors. En tout cas, tout cela est rassemblé sous un titre qui est écrit en khmer. Est-ce que je peux poser une question? Sur la première page, la page de garde, c'est écrit en khmer. Monsieur le témoin, si vous pouvez vous rapporter la toute première page du document, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'écriture que vous voyez là? La page précédente, voilà, celle-là. L'écriture, est-ce que vous reconnaissez cette écriture? Je ne sais pas.
tại kim sông mình chết đợi khơi bên này là mình chết ở việc chung đà la ca cho không ca thư đỏ chánh nom ni tới không mà ngày làm rồi nhẹ tới ở đâu chứ bù bù còn là dương như cả tới cả đây mình chỉ đang bệnh gì và trong sanh thán mình chỉ sẽ học không dẹp vì chỗ mà không cục nằm D'accord, donc si je comprends bien votre témoignage, ce serait une liste consolidée de personnes sorties des 21 au mois de mai 1978. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? D'accord. Est-ce que vous avez assisté à l'arrivée massive de prisonniers en un seul jour? Est-ce que, à un moment donné, vous avez vu arriver plus de 100 personnes à la fois à S21? Et comment deviez-vous procéder alors avec ces grands groupes? Parce que normalement, vous deviez établir une biographie, poser des questions à chaque personne. Est-ce que lorsqu'il y avait 100 personnes plus, vous deviez changer votre procédure, vous procédez différemment? I object to this question, Mr. President. All the questions are based upon the English translation, so it seems, which indeed speaks of one of the English lists. Đây là riêng cho mô tăng pin đồng bố hay bần to chỉ hô hai có bần ta chỉ bị xa không ai khóc nên tiếng xa rồng. I'm not quite sure what the witness is now talking about. Maybe he only talks about the first page of the evidence. But we even know whether all the subsequent documents in Khmer have anything to do with the first page. Mon frère Copé devrait écouter ce qui se passe dans la salle d'audience. Je suis passé à un autre sujet. Je parlais maintenant d'entrée massive à S21 et non plus de sortie. J'ai abandonné les questions sur ce document. Et donc, si je peux continuer sans être interrompu, je voudrais reposer la question de savoir comment le témoin faisait pour enregistrer les gens qui arrivaient par groupe de 100 ou plus à S21. Est-ce qu'il pouvait procéder de la façon ordinaire, prendre les biographies de chacun l'un après l'autre, ou bien a-t-il dû adapter sa procédure d'enregistrement pour ces grands groupes d'arrivée de prisonniers arrivant à S21? ឈ្មោះអ្នកទោះឬក៏របស់អ្នកទោះនោះឲ្យបានរួចរាល់នៅពេលដែលចូលមកច្រើនតែម្ដងនោះគេមិនអាចយកអ្នកទោះមកទាំងអស់មកម្ដងទេគេយកម្ដងប្រហែលជា 30 នាក់30នាក់ហើយយើងក៏ប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកទោះហ្នឹងគឺវាគាត់ខ្លីៗទេគាត់ឈ្មោះពុកម្ដាយនឹងរបស់នៅអង្គភាពតែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះខ្ញុំធ្វើដល់ពីរនាក់មួយដែល
្មេងមួយខ្ញុំហ្នឹងចេះសេដៃផ្ទាល់ហ្នឹងវាលឿនអត់មានបញ្ហាអី Oui, mais là, je parlais justement, vous avez confirmé tout à l'heure qu'il y a eu quelques fois de grands groupes de prisonniers, vous avez dit, notamment des gens venant de la zone Est qui étaient arrivés dans des groupes de plus de 100 personnes, ou de 300 personnes. Est-ce que là, vous aviez le temps de prendre les biographies dans votre bureau ou bien vous procédiez autrement ? អ្នកទោះទាំងអស់នោះក្នុងពេលតែមួយមកច្រើនអញ្ចឹងឬក៏លោកមានវិធីធ្វើការរបស់លោកផ្សេងពីអ្វីដែលលោកអនុវត្តជាប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការដូចជារាល់ដងអញ្ចឹងគាត់ថាយើងដល់ថាអ្នកទោះមកច្រើនអញ្ចឹងយើងកាត់ពីអ្នកតែប៉ុណ្្នឹងហើយហើយការបត់រូបនេះវាខ្លីវាអត់មានច្រើនដូចពីសួយច្រើនតែមនុស្សនេះវាអត់មានបញ្ហាអីព្រោះអ្នកទោះវាចូល30នាក់ឯហ្នឹងយើងកត់ទៅមកនេះហើយអត់មានយូរvoilà ce que vous avez dit à l'audience du 27 juillet 2009 E3/74/65 à 15h10 Vous avez dit ceci, vers la fin, lorsqu'on nous a amené de grands groupes de prisonniers, les prisonniers n'étaient pas amenés à l'endroit où l'on prenait normalement la photo. On les mettait dans le centre de détention et j'allais sur place établir la liste directement. Et je ne faisais que prendre leur nom. Pour ce qui est des photos, je ne suis pas sûr. Fin de citation. Donc, Vous est-il arrivé, au lieu de recevoir tout le monde dans votre bureau, d'aller plutôt dans le centre de détention pour établir une liste sommaire des nouveaux arrivants? នេះខ្ញុំទៅទៅសេកន្លែងខ្ញុំផ្ទាល់អានឹងចុងក្រោយនឹងមួយឡានវាអត់មានបញ្ហាអីយឺតយូរទេព្រោះនេះគាត់ទៅសេជាឈ្មោះនឹងវត្តរូបនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ហ្នឹងAlors, à l'attention de mon confrère Coppeux, je précise concernant le document précédent E3/74/63 que la liste de 582 personnes n'est qu'une partie du document Khmer. Et donc en Khmer, j'aurais peut-être dû donner les IRN, on trouve cette partie-là à 000 1 6 0 3 9 jusque 7 4. Et donc en anglais c'est 01 03 2 5 0 7 jusque 3 6. Voilà, donc c'était uniquement cette partie là que j'ai remis au témoin et sachant qu'il y a effectivement d'autres parties au document qui ne sont pas continues. Voilà, je continue alors avec mes questions. Comment faisiez-vous donc pour établir les biographies des prisonniers entrants ? Est-ce que vous aviez un modèle, des feuilles pré-imprimées qui vous permettaient d'aller vite en posant vos questions ? Print ចេញមកបោះពុំមកស្រាប់ហើយមានគំរូស្រាប់ហើយលោកគ្រាន់តែបំពេញឈ្មោះបំពេញអីចឹងឬក៏លោកត្រូវសរសេរថ្មីតែម្ដងចម្ពោះប្រវត្តិរូបគឺខ្ញុំមានឯកសារ print ហើយស្រាប់ហើយគាត់យើងបញ្ចុះបន្ថែមចូលក្នុងហ្នឹងតែងចេញចេញចើមវាគ្រប់អស់ហើយយើងអត់មានសរសេរនេះគឺពួកយើង print មកជាក្រដាស់ហើយស្រាប់ហើយThank you.
Monsieur le Président, je voudrais remettre trois biographies. E3-3466, tout d'abord, une biographie de détenu, le dénommé BAK, B-A-K, KHNA, K-H-N-A. La deuxième est E3-1533. Qui est la biographie de Pal, P-H-A-L, Va, Ayas, Nat. La troisième, E3-1532, qui est une autre biographie de détenu appelée Ung Sok, U-N-G ou bien I-N-G, Sok, S-O-K. Voilà, avec votre autorisation, Monsieur le Président. Ông chủ tịch anh nhá. Alors on commence par la première, monsieur le témoin, E3-3466, celle qui concerne BAK ou PAK KNA, alias Kim, de l'hôpital B-17. Elle est datée du 3 février, la date d'arrestation est du 3 février 1978. Il y a deux photos sur cette biographie, une de face et une de profil. Alors, s'agit-il d'un modèle de biographie que vous utilisiez à S21 tout d'abord? En quoi est-ce que les mentions qui figurent sur cette biographie différaient de celles que vous utilisez? Nous avons dit que Est-ce qu'il est arrivé que pour certaines biographies, après avoir complété les parties vides à la main, un dactylographe retape cela à la machine? D'accord, alors regardez uniquement les mentions
1 à 12, sans tenir compte de l'identité de la personne, de ce qui a été rempli par la suite. Est-ce que les mentions qui figurent là et le format correspondent au bibliographie que vous-même établissiez à 21, mis à part le fait que vous écriviez à la main et qu'ici, c'est dactylographique. Anh biết đôi khi mình lại mặc nhung thương chẳng là bùa đã đủ. Alors je vais vous demander de tourner Les mentions sont en provenance de Hong Kong. Alors, il s'agit d'un couple de personnes assez hautes dans la hiérarchie qui venaient de Hong Kong, entrée fin décembre 1978, est-ce que vous vous souvenez de ce couple, et Palva, en provenance de Hong Kong. ចំពោះបញ្ហាអ្នកទោសនេះគឺខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ថាអ្នកណាមកពីណាទូនាទីអីដូច្នេះការចងចាំរបស់ខ្ញុំចំពោះទូនាទីអ្នកទោសមិនសូវចាប់អារម្មណ៍បានចំពោះរឿងការងារដែលយើងធ្វើប្រចាំថ្ងៃនេះយើងធ្វើមិនអត់ហើយតាន់ពេលវេលាតែចំពោះការចាប់អារម្មណ៍មកពីណាពីណីមិនសូវចាប់អារម្មណ៍បាន Vous avez dit que votre tâche générale était d'enregistrer les biographies de tous les prisonniers qui entraient à S21. Vous pouvez nous éclairer là-dessus.
Concernant les prisonniers importants, j'ai cru comprendre tout à l'heure ce matin que vous avez dit que bah, à partir du moment où ils ont été transférés à l'intérieur de l'enceinte. C'est-à-dire que la prison spéciale a été transférée de l'extérieur vers l'intérieur de la prison vers le bâtiment A. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit ? ហើយនៅពេលហ្នឹងបានលោកចាប់ដើមស្គាល់ឈ្មោះគាត់ខ្លះនោះអញ្ចឹងមែនទេចំពោះអ្នកទូធំធំគឺកម្រខ្ញុំបានជួបបើបានតែបើសិនជាថ្នាក់កងពលភូមិភាគទៅគឺកម្រគេឲ្យខ្ញុំដឹងតែបើពូគេថ្នាក់លើវាដឹងហើយរបស់គេហើយហើយចំពោះដែលអ្នកទូដែលចូលមកក្នុងគុកពិសេសគុកពិសេសយើងចូលក្នុងទៀតក៏ខ្ញុំអត់គេអត់មានឆ្លងកាត់កន្លែងខ្ញុំដែរព្រោះគេដឹងពីអ្នកធំគេដឹងរបស់គេមិនតែគ្រាន់តែយើងអត់បានទៅធ្វើប្រវត្តិរូបវត្តអីទេប៉ុន្តែមានឈ្មោះដែលហូរគេប្រាប់ថាដាក់ឈ្មោះញងចូលក្នុងថ្ងៃនេះនេះប៉ុណ្ណឹងអង្គសិកVous dites que parfois, Hor vous demande de consigner certains noms prisonniers importants sur vos listes. Est-ce que vous le faisiez systématiquement? Est-ce que vous avez raison de penser que certains noms de prisonniers importants n'ont jamais été consignés par vous sur vos listes?ចំពោះបញ្ជីអ្នកទូធំធំនៅក្នុងបញ្ជីខ្ញុំមិនសូវមានប្រមាណទេពួកគេខាងលើគេដឹងហើយដូច្នេះគេឲ្យដឹងតែអ្នកទូដែលដូចថាយើងមិនដឹងដូចថានៅភូមិភាគផ្សេងឬភូមិភាគដែលផ្សេងផ្សេងនោះគឺឲ្យយើងចាប់ពីកងពលទៅយើងកម្របានសឹកដឹងណាយើងដឹងទៅវិរៈសនាធំមកអានឹងដឹងមិនតែបើវិរៈសនាធំនៅក្នុងជួរដូចការកងពលរួច3ទៀតដែលជាកន្លែងរបស់ដែលនិកិតស្និទ្ធនឹងអ្នកធ្វើការហ្នឹងគេអត់ឲ្យដឹងដែរសាសាសិតDonc là, on parle de l'enregistrement. Est-ce qu'il en était de même au niveau de l'exécution de ces personnes? Est-ce qu'on vous communiquait les noms de ces personnes lorsqu'elles étaient exécutées? Ou vous ne les voyez pas? Et peut-être pour être concret, est-ce que vous avez jamais vu le nom de Huisrei, pardon, le nom de Koytun ou le nom de Tatnat?កុយធួនឬក៏តាណាតនៅលើបញ្ជីដែលលោកធ្វើនោះទេតែអញ្ចឹងមែនទេនេះជាការពិតនេះគឺពិតប្រកបហើយព្រោះឈ្មោះអ្នកទូធំធំដូចហូនគេរៀបការជូនទៅដូចគេដឹងអស់ហើយគេមិនសូវវិលវល់មួយយើងបានDonc vous nous avez dit aussi que parmi les prisonniers dont vous ne preniez pas, n'enregistriez pas les noms, vous ne preniez pas les biographies, il y avait les autres. Est-ce que, quand vous faites référence aux enfants ici, vous parlez des enfants qui accompagnaient leurs parents ? ខ្ញុំចង់និយាយអំពីកុមារដែលមកជាមួយឪពុកម្ដាយជីតែម្ដងឯ selon vos instructions à partir de quel âge les personnes qui étaient arrêtées étaient plus considérées comme des enfants
ចាប់ពីអាយុប្រហែលទៅដល់គេមិនចាត់ទុកថាជាកុមារទៀតទេអញ្ចឹងគេចោះឈ្មោះអ្នកទោសហ្នឹងតាមការណែនាំរបស់ផ្ដាល់មកលោកនោះអាចកំណត់អាយុបានទេគឺការដែលយើងកំណត់ច្រើនចាប់ពីអាយុ15ចុះទៅដូចមិនសូវជាគាត់ដាក់ឈ្មោះគាត់ឬទេ Est-ce qu'il y a parfois eu des exceptions pour justifier que les enregistriers des enfants de moins de 15 ans survolés? ឬនេះក៏ខ្ញុំចាំវាមិនច្បាស់ដែរក្នុងជីនឹងដូច្នេះវាមិនអាចសន្និដ្ឋានបានច្បាស់លាស់ចំពោះក្មេងកម្រិតប្រមាណអីប្រមាណពិតប្រាកដព្រោះការធ្វើជីនេះវាមិនដែលខ្ញុំមិនដឹងវាច្រើនថាកូនក្មេងដែលមកជាមួយពុកម្ដាយគឺមិនសូវចុះ សូមរំលឹកសាក់សីបញ្ជាក់ឡើងវិញសាក់សីមិនក៏បីប្រើពាក្យតាមការសន្និដ្ឋានរបស់លោកទេសាក់សីមិនមែនជាអ្នកជំនាញទេតាមបទពិសោធន៍ឬក៏តាមការសង្កត់ធ្ងន់ឬការសង្កេតរបស់លោកក្នុងការធ្វើការងារនៅទីនោះនោះជាមូលដ្ឋានក្នុងការឆ្លើយតបហើយបញ្ហាទី2ប្រើពាក្យមិនសូវហ្នឹងគឺមិនច្បាស់លាស់ទេបាទន័យថាពាក្យមិនទៅឬពាក្យកម្រហ្នឹងបាទន័យថាមានករណីពិសេសផ្សេងទៀតដែលនឹងអាចទៅធ្វើប្រវត្តិរូប ហើយបើសិនជាមានករណីដូចនេះគឺត្រូវឆ្លើយបញ្ជាក់បានច្បាស់លាស់បងប្រុសនោះទេគឺមាននឹងអាចមានការមន្ទិលសង្ស័យក្នុងការសក្តិក្នុងសក្តិកម្មរបស់លោកក្នុងការផ្ដល់សក្តិកម្មនៃពុកមុខអង្គជំរះលោកយល់ទេបើសិនពាក្យមិនទៅឬក៏ពាក្យកម្រមានន័យថាករណីពិសេសណាមួយដែលមានការធ្វើប្រវត្តិរូបដែរឬទេ លោកអាចឆ្លើយបានទេ ចំពោះការណីកម្រគឺខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះបញ្ហាទូវត្តរូបនេះជួនកាលក្មេងខ្ញុំបើតាមខ្ញុំដឹងគឺអត់បានធ្វើសុខក្មេងៗដែលមកជាមួយពុកម្ដាយ Alors, je voudrais venir maintenant à une autre situation, c'est le cas d'enfants qui arrivaient non accompagnés de leurs parents. Est-ce que c'est arrivé? Et dans ce cas-là, pourquoi arrivaient-ils au centre et deviez-vous les enregistrer? Parce qu'ils n'arrivaient pas avec leurs parents, ils arrivaient tout seuls. ចំពោះក្មេងដែលមកអត់ពុកម្ដាយការងារអត់ទាំងនេះគឺខ្ញុំភ្លេចអស់ហើយមិនដឹងជាបានចុះឬក៏មិនបានចុះដូច្នេះកន្លងមកគឺខ្ញុំអត់បានដឹងច្បាស់ព្រោះដល់វាយូរឆ្នាំពេកវាភ្លេចអស់រឿងការចុះជីក្មេងៗ Bon, nous avons dossier une liste combinée de prisonniers de 21 qui a été établie par le bureau de juge d'instruction et qui mentionne
Mình nâng chị bàn cho được bàn cho ca tròn trăm sư bàn vật bạc có thể vụ việc du phê cho Je vais encore essayer avec un autre cas très concret, c'est l'un des enfants de 7 ans. Ça s'appelait Trine, T-R-I-N-G, ou bien Trang. T-R-O-E-N-G, Yang, Trang Y-A-N-G, Yang. Ou Y-A-I-N-G, FAC, F-A-K. Yang. Il se trouve à FAC. La liste Lorsque des femmes arrivaient à l'intérieur et étaient accompagnées de jeunes enfants ou de bébés, est-ce que ces bébés, ces jeunes enfants, restaient avec leur mère et suivaient leur sort ou bien étaient-ils extraits avant leur maman. Khi admin toàn đọ tranh trí thì con cà phê cái vô chỗ nóng
hay ban ke min vichin ka ai a nang chlaich te lu kong ka pi da ho che ne banchi do ngai na sai cha ki no nyom ot ban dang pet pakot te Est-ce que les enfants qui étaient emmenés pour être exécutés à Aix-Marseille étaient en même temps que leurs parents? Thank you, Mr. President. I object to this question. I have an opportunity to quickly glance at the CIJ. We should be able to have a look at it. And then we should have a look at it. Monsieur le Président, je pensais là encore être passé à un autre sujet, une question tout à fait générale concernant l'exécution des enfants. Vous ne parlez pas de ce enfant vietnamien en particulier dans cette question. Tout à l'heure, Alors voilà ce que vous avez dit le 28 juillet 2019 dans cette chambre, c'est un peu plus précis. C'est le document E3/7/6/4 vers 10h05. Je ne suis pas, vous avez dit ceci, je ne suis pas sûr de la période pendant laquelle les enfants ont été détenus, emmenés et tués. C'est Ho qui donnait les instructions à Peng afin de les emmener. Question, est-ce que les enfants étaient mis dans les camions qui partaient le soir emportant des adultes au site d'exécution? Votre réponse, non. Il n'y avait pas d'enfants qui étaient emmenés en même temps que des adultes. Question, est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'on les tue à proximité de S21? Réponse, sur ce point, je ne suis pas entièrement sûr, car on n'établissait pas de liste pour cela. Pourquoi
Les enfants n'étaient-ils pas emmenés dans les mêmes camions de leur part? Car il y a un peu de temps, il y a un peu de Est-ce que vous savez si en général les enfants étaient retirés de S21 pour être exécutés avant leurs parents ou après? Il me reste 5 minutes aujourd'hui. Aborder ខ្ញុំសូមជូនយាយអំពីប្រធានបទមួយទៀតតកតងទៅនឹងបញ្ជីអន្តោដែលចូលមកឬក៏អ្នកតោដែលគេទទួលនៅក្នុងទី 20 6 qui est une liste d'actualité. Alors, je mentionne également que figure sur ces deux listes le nom de Thi en bas de chacun de ces documents. Donc, elle est datée du 6 janvier 1978, sur la première page 2 personnes en Laos, le nom de Thi figure sur ce document. Est-ce que c'est bien de liste que vous avez établie après l'entrée de ces prisonniers à S21? ខ្ញុំដឹងគឺខ្ញុំធ្វើប៉ុន្តែរឿងអ្នកទោសទាំងអស់ហ្នឹងចូលមកទី 23 ឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំពូបញ្ជីនេះគឺបើតាមខ្ញុំដឹងគឺខ្ញុំធ្វើប៉ុន្តែរឿងអ្នកទទួលនេះគឺគ្រាន់តែថាមកដល់ពីកងការពារពីមកពីបុគ្គលអ្នកទោសទៅជួនកាលខ្ញុំ
say đã chung một nhóm để tua là bên tai bà tam bứt nhà tua đừng on cứ nước hàng con hàng cà phê cái rái nhà để tua màu chấm nu nhóm ba đài còn bị xe con huy បាទហើយសํานักការនៅថ្ងៃនេះដល់ពេលជប់តម្រាក់ហើយឲ្យប្រកាសផ្អាកកិច្ចសํานักការសํานักការសម្រាប់ថ្ងៃនេះនេះសํานักការលើកបន្តទៅធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកហើយថ្ងៃសុខទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2016ដែលនឹងចាប់ដើមពីម៉ោង6ព្រឹកហើយសํานักការនៅថ្ងៃស្អែកនេះអង្គជំរះនឹងធ្វើសํานักការបន្តស្ដាប់លេខកម្មសាក់សៃសុខធីសូមពីគីជ្រាបនឹងអញ្ជើញចូលរួមតាមពេលវេលាបានកំណត់នេះអង្គជំរះអរគុណលោកសាក់សៃសํานักការស្ដាប់លេខកម្មរបស់លោ
មានវិការពីក្រៃនួនជាដែលបានស្នើសុំឲ្យអង្គរះក៏ហៅសាក់សីប្រខនរបស់ដល់សខីកម្មសាជាថ្មីម្ដងទៀតនោះស្ថិតនៅក្នុងការដំណាក់ការនៃអង្គរះកំពុងតែពិនិត្យពិចារណាដោយអង្គរះកំពុងតែដំណើរការស្ដាប់នៅមតិយោបល់របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធផងដែរអញ្ចឹងអង្គរះនឹងចេញសេចក្ដីសម្រេចលើបញ្ហានេះក្នុងរងពេលសំត្របឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបាទហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការត្រូវរួមជាមួយនៅបុគ្គលិកនៃអង្គភាពក៏ពិសាសីនឹងអ្នកជ